Et allez, bonsoir à tous, c'est parti, on est en live ce soir pour le live avec en compagnie de Jeff et de Depiello. Punaise, ce soir j'ai bouffé de la purée, mais ça va mal. De Depiello, ouais, salut, what up tout le monde. Bonsoir. Alors ce soir on va faire un live. Ouais, absolument. Oula, mais qu'est-ce qui se passe sur le... Ah ben rien ne va ce soir, attention. Allez, mais attends, mais tout est en train de partir en sucette. C'est magnifique, dis donc, ce petit écran très violet de berbe. Ah oui, c'est noir, mais c'est pas... Alors du coup, on va parler rapidement, je prends le lead hein, pendant que, évidemment, Angel, pendant qu'Angel résout les problèmes. On va vous parler rapidement de la chaîne Andevic, parce qu'il y a... Alors, mea culpa, j'ai pas eu le temps de... Comment dire, de... d'uploader la vidéo rediff du débrief de dimanche dernier. Non, mardi. On l'a fait mardi. Branlé, quoi. Hein? Non mais c'est, ça va, hein, dis donc. Et donc du coup, plusieurs personnes n'ont pas dû voir ce live-là, et du coup, eh bien, plusieurs personnes ne sont pas au courant de la nouvelle chaîne, Andevic. Donc du coup, on va vous en parler rapidement ce soir, pendant que notre cher Angel est en train de configurer le jeu. N'hésitez pas à venir rejoindre la session pour faire la course contre nous. Je pense qu'on va sûrement se faire un full wet challenge. Absolument. N'est-ce pas, Jeff? Oui, on va faire des challenges, oui. Et petite dédicace rapide à LG Brooks qui commence déjà d'entrée de jeu à me dire qu'il espère que je jouerai bien ce soir. Ouf. On part sur des bases fortes. Oui, l'espoir fait vivre, hein, comme d'habitude. C'est cool. Donc la chaîne Andevic. La chaîne Andevic, alors certains vont dire « Ah, mais vous redisez la même chose, etc. » on va remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Andevic, c'est donc une chaîne qui va voir le jour en janvier 2017 ou février 2017, ça dépend si on est à la bourre ou pas. Attends, je viens de recevoir l'invitation, je crois. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah oui, c'est un Attends. Donc c'est chiant hein, de se faire couper comme ça. Si je peux me permettre. Donc effectivement la chaîne Andevic, qui est donc une chaîne. Merci. J'ai eu un magnifique écho de ouf. Chaîne coop qui regroupera donc Angel, Jeff et moi-même. On aura sûrement des invités, genre Cédric, je sais pas moi, Giggs, Hydro peut-être, j'en sais rien, on verra. Manon, oui, par exemple. qui a parlé? Hein, qui? Je les abonnés. Et donc du coup, ouais, Andevic, c'est une chaîne coop où on va faire beaucoup de jeux. Pas forcément des jeux de course, vraiment des jeux de... Il y aura de tout. Il y aura de tout. Faut quand même dire, il y en aura. Il y en aura. Course, mais il faut comprendre que c'est clair que ce sera pas la grande majorité de la chaîne et il faut pas s'attendre en s'abonnant à la chaîne là de se dire ce que je vais voir c'est surtout de la F1 ou machin. On va essayer vraiment de diversifier le plus possible. Ça voilà. Veut pas dire que il y en aura pas. Ça veut juste dire qu'il y en aura à très petite dose, à dose homéopathique. Tu vois, ce sera pas le contenu majoritaire sur la chaîne. Voilà. Donc, notre cher Jeff a bien résumé la chose. Donc, cette chaîne coop verra le jour, je l'ai dit, en janvier-février. On va voir quand est-ce qu'on s'y met. On fera, je pense, pas mal de live et on fera des best-of. Je pense qu'on tournera aux alentours de entre une et deux vidéos par semaine. Ça dépend de nos disponibilités et puis c'est surtout pour que on puisse s'amuser et s'amuser avec vous. Et on fera pas mal de live avec les abonnés, donc on essaiera d'avoir pas mal de jeux et puis de vous prévenir à l'avance évidemment sur les jeux sur lesquels on va jouer et puis de nous rejoindre dans la partie pour pourquoi pas faire quelque chose quoi. Ça pourrait être sympa. Voilà. Alors je vous propose effectivement qu'on fasse qu'on rentre au premier tour et puis qu'on mette les slicks. Et puis Aléja à Jacques Taest. Aléja à Jacques Taest, ouais. Et donc on met les super soft.
Oui, vous mettez les slips. Oh, allez, ma poussée. C'est un tour de chauffe, les gars. Oh, un peu, ça va se mettre en mode patinage artistique. Et voilà, mon petit Jeff. Espèce d'enfoiré. Ouais, mais ça a mal commencé. Allez, c'est parti. C'est parti. Putain, j'annonce le... Oh, le freeze. Oh, putain de merde. Je chauffe les pneus derrière. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live. Et 130 viewers. Allez. Ah, putain, la merde. Mais c'est génial, bordel de merde. Allez, on attaque. Alors là, je peux te dire, je vais faire le tour à fond. Oh, putain de merde. J'ai peur de perdre la connexion. Désolé, Spirus. C'était pas volontaire. T'es revenu sur moi. J'ai peur de perdre la connexion, les enfants, donc au cas où je perde ma connexion, vous inquiétez pas, la box redémarrera peut-être. Parce que j'ai redélag moi sur mon jeu, ce qui est pas normal. Dis-moi pas sur la caméra justement de Team DMK 44. Non. Oh putain, j'ai coupé la piste comme un connard. Oh putain, j'ai eu un petit. Wow, j'ai eu un petit lag aussi. Oh, je peux pas finir 4. Non, il est gentil, tu vois, ça c'est un fan qui est respectueux, ça. Tu es respectueux, non mais... Mais oui. Et qui passe la ligne d'arrivée? Qui passe la ligne d'arrivée? Oui. Putain, voilà. Flinguer ma soirée, bande de... Eh oui. Il est content. Il débrouille pas mal, l'ami Team Vim, là, avec sa Mercedes, avec les slicks, hein. Putain, ben voilà, les deux blaireaux, ils sont... Ah non, ah non. C'est okay. Du lag. Non, c'est pas ça, c'est que j'attends un certain Jeff Hardy. Eh oui, bonsoir. Mais pourquoi tu m'attends? Tu veux me mettre dehors? Ouais. Hop. Hop, je vais faire une Hamilton. Oh putain, enfoiré. Donc, on va voir si je suis talentueux ou pas. Hop, une Rosberg. Oh le bâtard, il a croisé. Oh le salaud. Oh non, je te vois tellement venir. Ah non, mais ça va. Ah ouais. Oh, il ferme la porte, le salaud. Oh l'enfoiré. Hop là. La bataille sévère, les gars. Hop là. Putain de race. Qu'est-ce qu'il croit, celui-là? Putain, du coup, il m'a repassé. Foiré. Oh là. Tu comprends que tu me gênes là. Légèrement. Un peu compliqué à conduire, on dirait peut-être force une guerre. Putain, ouais, c'est surtout à la manette hein, que c'est compliqué parce que j'ai plus l'habitude. Ouais, c'est vrai que. Les oh, petite dérobade du train, rien. Oh, putain de merde, c'est une grosse bordel de merde. Oh, bon. Comment il coupe. Y'a même scandale. Pas d'avertissement. Le scandale. Je connais le jeu, mec. D'euros par an pour organiser le Grand Prix. Alors à un moment donné, tu m'étonnes qu'ils ont décidé d'arrêter les frais, qu'ils préféraient s'en sur. Oh putain, enfoiré. Tu leur apportes 5 millions de. Putain, 53 km/h. Par an. Et t'as plus de spectacle. Bah, le problème aussi de la Malaisie, c'est qu'il y avait pas mal de circuits autour qui lui faisaient. Ils font la marche arrière, quoi. Qui faisaient ça, quoi. Avoir bah, Singapour qui se trouve à côté, avoir la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, bah forcément, le Japon, bah ça aide pas. Bah, néanmoins, ça va faire des coups dans le calendrier. Putain, mais. Mais quelle bande de cons! Mais quelle bande de cons, putain, c'est pas vrai! Oui, mais oui, quelle oui. Bande de cons! On avait parlé. Oh, y'a Angel qui arrive! Oh merde! Oh l'enculé, qu'est-ce qu'il fait? Oh le salaud! Il peut pas gagner lui! Non, le pousse pas, mets-le dans le mur. Pousse-moi, mets-le dans le mur. Ah, j'ai plus de carburant, bordel. Allez, tourne-moi ces putains de machines, vas-y. Ils sont en panne devant. Non, mais arrête de pousser, Renaud. Non, reviens, pousse-moi. Qui c'est qui a gagné, bordel? C'est la Renault, il t'en marche avant, bordel. Salaud. Il en avait marre, il a poussé. Putain, je suis à 40 km/h. Vas-y, vite, pousse. Génial. Vas-y, sur cet accélérateur. Non, il gêne. Allez, mais appuie sur cet accélérateur. Oh non. Merde. Enfoiré. Oh merde. C'était n'importe quoi.
Eh les mecs, là, je pense qu'on devrait remettre l'émission vidéo gag, là, parce que là, franchement... Oh putain. Oh non. Oh non, je viens de me faire doubler sur la ligne par ta petite balle mec, putain. C'est quand même bien compliqué, c'est sympa, mais pour les ah, ben, je pense qu'on est en ultra, hein. Non, non. Allez, on tire. Allez, j'ai balancé des boules. Oh, le virage du portier, on va rentrer dans le tunnel. Ça fait n'importe quoi. Oh merde, non. Pourquoi ça dure si peu? Oh merde, merde. Je suis avec Angel, mais bande de cons. Je vais me mettre dans un mauvais truc. Ah, mais je suis Angel. Hop là. Putain, mais c'est Raikou qui est en tête. Mais ce mec me pourrit ma vie, quoi. Je croyais que c'était ton pote. Mais oui, mais quand je veux gagner, il est toujours devant. Timo Glock. Is that Glock? Non, Raikou, tu rentres pas. Merde. Il rentre au stand. Oui. Oh, j'aurais dû aller au stand, quel con. Mandelbart. Angel. Sérieusement. Sunday, là. Wow. Ah, merde. Je suis rentré dans la bulle verte, fallait pas. Niggies. Non mais bande d'enfoirés. Pourquoi vous me faites ça à moi? Oh, merde. Ah mais en fait je suis crap derrière vous quoi. Ah non moi mais Mario Kart moi je suis une bille hein. Je vous le dis direct. Ouais. Ah bah par contre on vient sur Assetto Corsa là par contre ça rigole beaucoup moins la bande de cons. Monsieur, hein. Monsieur se l'appelle en tant que spécialiste. Monsieur premier degré. Là, je vais aller au stand. J'ai une voiture qui va pas bien. Merde bordel. Attends t'as dit quoi? J'ai pas entendu. Arrête de faire ton putain mais j'ai une avance. Attends c'est beau. Merde, j'ai fait le con. Point de la 10ème place. Oh, ah oui. What? Je me suis téléporté. Ah oui. Ah, c'était contre Jeff Harvick. Oh, le fils de pute, le débilo. T'as un fort visé correct, hein. De quoi? Non, bah, tu m'as pourri, espèce d'enfoiré. Il va gagner la course, quoi. Il était bien. Il... Ah, je suis premier. Mais oui. Trop bien. Bande de putain, mais il va la gagner en plus. Mais il la gagne. Mais le salaud. Mais il l'a gagné. Mais il croit pas. Bon, j'ai marqué 10 points pour un but contre son camp, hein, on va dire. D'accord. Oula. Magnifique. Allez, la petite vengeance. Quel travail d'équipe. Oh là là, c'est magnifique ça. C'est magnifique. Bon, vous faites quoi avec la balle là? Bah on l'envoie en l'air. Oh oui. Oh oui. Oh. Merde. Oui. La sang. Oui. Oui. Oh putain, j'ai arrivé comme une fusée quoi. Vas-y. Oh putain. Oh mercredi. Oh c'est mercredi. Oh le mec il veut rester poli. What the fuck. Oh putain. J'en étais sûr. What the fuck. Attends mais elle était dans le but celle-ci. Putain, on en chie là. Sauvetage de... Non, non, oui, oui, non. Putain, non, je le crois pas. Oui. Ah là là. Je suis en défense. Ok. Ouais, alors il est en défense, mais il avance quand même. Ah merde. Putain, heureusement que je suis là. Bah oui, mais Jeff, t'es en défense. Oui, 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 oui. Enculé. Farce. Ah, je suis. Il connaît pas je suis en défense par contre cette fois-ci, hein, je tiens à préciser. Ouais, donc ouais, donc non, on est mal. Mais non, trop pas. Hein. Je suis, franchement, j'ai joué au foot, moi j'étais arrière gauche. Hein. Ah. Ah. Oh merde. Voilà. Oui, il était arrière gauche. Ah oh, cet échec. Mais dans le bon sens. Oh putain. Excuse-moi Angel. Non mais vas-y. Voilà. Si non Angel. Non, c'est pas le bon but. Non, j'ai loupé. Encore une fois, j'ai été un énorme bourrin sur la fin, tu vas voir. Je suis allé trop vite. Oh, putain, quel con. Bon, la blague.
J'ai tenté, quoi. Bon. Oh merde. Il y a plus de défense. Si. Mais ça vaut ce que ça vaut, qu'est-ce que tu veux. Oh. Oh oui. Par contre, on se gêne, c'est magnifique. Oh, c'est beau, c'est dedans. Eh, même pas besoin d'y aller. Oui, mais on y allait par précaution. Hein. Mais non. Il y avait de l'assistance. regarde les blaireaux qui... Je sais pas, moi je me suis cassé, perso. What the fuck? Hein? Ah, c'était tiré. Ouais. Là par contre, faut y aller! Oh! 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 Oh c'était juste ma connexion. Magnifique, Jeff Harvick vient de marquer un petit but rapide de balle. Splendide! Ils se sont écartés, c'était magnifique! Ils se sont écartés comme des. Ils se sont dit oulala. Je suis Moïse. Alors, qui va en attaque? Ça part. Ça part. 7, 6, 5, 4. Pouf! Bonne année! Ah non, merde. Grave, bonne année! Oui! Victoire! Et on a fait que des victoires ce soir. Ouais, c'est le talent. Hop, it's je me barre. Wonderful. Je me casse, les mecs. C'est bon. Hop, voilà. Balek. Allez, on va se quitter là-dessus. Faisons le petit programme. Peut-être. Voilà, le programme de la semaine. Monsieur Depiello, qu'est-ce qu'il nous propose? Oula, alors, avec toutes les histoires que j'ai eues avec la FOM, je du pense coup, que. Rien. Non, il y aura Motorsport Manager mardi et je pense que ça va continuer jeudi et samedi. Ça va être une semaine full Motorsport Manager parce que je prépare d'autres séries et puis en espérant que YouTube réponde assez rapidement pour qu'on débloque la vidéo numéro 21 de la saison 2 de F1 2016 pour qu'on puisse finir là-dessus. Voilà. Ton fameux let's play sur My Little Pony. Mon fameux quoi? Sur quoi? Sur Little Pony? Ton fameux let's play sur My Little Pony. Non mais ça va là, on se calme. Oh putain, au secours. Bon, et toi? Alors, Jeff. Angel. Bah moi du motorsport, parce qu'on a hier soir, enfin entre vendredi soir et hier soir, on a fait un live où on a fini ma saison 1, on a fait la saison de transition, on a attaqué la saison 2, donc on va rattaquer la saison 2, suite. Cette semaine on va finir le mois d'histoire de Dragon Ball Xenoverse 2 et puis il y aura le Grand Prix de F1, un qualif course comme d'habitude et bien, Hockenheim. Exactement. Jeff, eh bien écoute, alors là alors rien et rien. Attends, est-ce que t'as besoin d'une petite musique qui oh, mette d'alambiance? Oui, tu sais le truc un peu voilà, exactement. Vas-y, Jeff, nous t'écoutons. Alors, cette semaine, on va continuer les séries habituelles avec Forza Horizon et Walking Dead, en attendant que F1 2007 soit réparé. Mais la grosse annonce, c'est que je vais finir la saison de F1 2016 cette semaine. Donc, je reprends ma voix normale. Grand Prix du Mexique, mardi. Grand Prix du Brésil, mercredi. Et, normalement, jeudi, je tourne le Brésil, Abu Dhabi, en live. Oh. Oui, parce que monsieur se met à faire des lives maintenant, alors ça y est. Il commence à faire des lives. Je vais faire des lives, donc, normalement, tu sais, la concurrence déloyale, tout ça. Grand Prix d'Abu Dhabi tourné en live, plus le Manon Naldo. Le... Oh, putain. Manon va se mettre sur F1 2016. Ce big event. Le Manon Naldo. Le Manon Naldo. Voilà, the big event. Et en live, alors je pense du coup mardi, je débuterai Motorsport Manager. Et mercredi, si tout est bon, je fais F1 2007. Je reprends F1 2007 pour revenir où j'en étais. Et ah donc, bah c'est bien parce que j'allais justement, Jeff, te poser la question. Bon, si tu comptais démarrer Motorsport Manager, parce que tu étais un des seuls à pas l'avoir encore fait. Bah, en fait, au début, je voulais laisser. Enfin, vu que Depiello et Angel le faisaient, je me suis dit bon, ça sert à rien qu'on soit les trois dessus. Sauf que les deux petits cons, ils m'ont donné envie de le faire. Eh ouais. Ah bah voilà. Tu sais, hein, quand on y goûte, on y prend goût. Hein. Mais ah bah oui. Mais tu prendras peut-être une écurie autre que celle de Depiello. Ah bah moi, c'est tout prévu. Hein. Ou Angel a pris. Je vais jouer avec Predator, donc l'équipe la plus mauvaise. Bon courage. Et puis pas de tutoriel. Ouais. Posez. Il dure une heure. Hein. Ouais, à force de regarder nos vidéos, non, c'est bon, il sait jouer. Vu vos vidéos, je sais très bien comment ça marche. Voilà.
Alors. Tu sais, c'est vrai que Predator, c'est la plus petite équipe avec le plus petit budget, mais ah, oui, oui. Le plus important, c'est pas le budget que tu as, c'est ce que tu en fais. Ah bah c'est exactement. Puis je veux faire une manor. Alors. Ah. Ah. L'homme aux 15 000 manors. Jeff, ton prochain live, c'est pas avant jeudi. Si, si, je ferai normalement mardi, mercredi, jeudi. Une machine, enfin, non, ce Jeff, une machine. Ouais, une machine de guerre. Angel, est-ce que tu nous feras une petite rediff de ce live de ce soir? Absolument. Absolument, mais on aura un best-of, voilà, dans la semaine qui vient ou dans la semaine best-of prochaine. Un best-of. Il y aura le best-of. Le best-of. C'est le best-of. Pas ton vie, le best-of, hein. C'est comme la best-ouflette. Et oui, et allez, tout à fait. C'est tout pour moi, merci, au revoir. Bon, bah allez, moi je vous dis la bonne soirée, hein. Et merci encore d'avoir regardé le live jusqu'au bout. Hein. Et voilà. Merci à merci tous. Merci à tous. Allez, à plus, ciao, ciao. Ciao. Ciao, bonne soirée à tous.